Alors bonjour, bienvenue sur la partie de Fur MGS, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'attaque la station Pixan avec le meilleur bouclier disponible sur le marché, ainsi que le meilleur réacteur et le meilleur moteur. C'est-à-dire ce ne sont pas des artefacts, ce sont les meilleurs disponibles sur le marché. Nous nous trouvons à Lennen, je vous envoie le nom de train pour vous montrer où c'est. Voilà, Lennen ici. La terre ici, Lennen ici. Voilà, la station Pixan, celle que j'ai attaquée, se trouve à Lennen. Elle est en face, au loin. Je vais vous montrer comment j'attaque une station. D'abord, j'ouvre Logistics. Power. Je mets puissance bouclier. Je mets puissance camouflage, important pour le début. Et voilà, je pense que ça suffit. Oui. Alors je vous explique ma technique. Bon, c'est pas une technique parfaite, hein. C'est celle que j'ai trouvée. Je sais pas trop du genre à me casser la tête. J'ai mis le bouclier. J'active l'armement, bien sûr. Puissance à 100%. Puissance à 50%. Voilà. Je mets mon canon principal à 50% pour avoir une puissance de feu et une cadence descente. Et puis t'es quand même à 100%, parce que je vois pas trop de différence de visée, de précision. Alors, j'active le timer du clocking system. Voilà, j'ai démarré. Vous avez vu le petit éclair bleu. Command craft order, fly to enemy, Pixan. J'attends que l'engin se démarre. Voilà, 100%, ça démarre. Hyperdrive activated. Elle a déjà été attaquée auparavant. Le bouclier est en train de se recharger. Oui, en fait, je vais pas mettre le canon à 100%. Research engineer reporting for duty, sir. Emerging from hyperspace. Voilà, je suis arrivé. Donc, grâce au système de camouflage, je suis pas détecté par. Ni par les vaisseaux ni par la station, donc je me fais pas retapisser et allumer dès que j'arrive. Elle est un peu galère cette station parce qu'elle a pas une forme. D'habitude en fait je me planque dans la superstructure de la station et dans un angle mort des tourelles et je tire. Mais le problème c'est qu'elle est pas terrible la forme de la station Pixan, elle ne permet pas de bonne cachette, il y en a d'autres qui sont bien mieux. Il y a pas mal de vaisseaux qui tournent autour. Je vais essayer de capturer la station, mais ça va être chaud. À mon avis, elle va surtout se détruire. Que ce soit par moi ou quand je l'aurai capturé. Que ce soit par moi quand je la détruis, tout simplement. Voilà. Peut-être que je la capture. Ah. Je vais me planquer derrière un de ces poteaux là. Combat officer reporting for duty, sir. Voilà, je me cache ici. Off. Je commence à tirer. Vous voyez rien à cause du bouclier qui flash pas mal. Je vais essayer de tirer de là. Voilà, c'est deux éclairs bleus. Regardez en bas à droite, il y a un indicateur. Voilà, il commence à devenir rouge, ça veut dire que le bouclier lâche. Voilà, il a lâché. Maintenant, les éclats vont directement à côté. J'essaie de rapprocher un petit peu les tirs, sinon, le temps qu'il atteigne, ça peut le détruire. À partir d'un certain moment, je baisse la puissance des lasers pour pouvoir essayer de détruire la station. Genre maintenant. Quand la station mettra un SOS, je pourrais rentrer pour la capturer. SOS, je rentre. Je capture et je ressors.
Bon, je vous dis tout de suite, elle peut peut-être se faire détruire. Hein. Elle est très faible au niveau vie et elle est entourée, encerclée. Hop, fighter, all. Je cherche un destroyer. Et ben, grouillez-vous. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Hop, je change la puissance. Ici, 50. Je remets les moteurs. Pitié est bien enclenché, c'est ma seule défense contre les chasseurs. Pixan est toujours en un seul morceau, mais ça va pas durer. Faut que j'en profite. Preparing for jump. Jump. Mais y'a pas besoin de jumper, voir ce Raven là. Je baisse la puissance des boucliers, on aura pas besoin de tous les boucliers. Hop, IMD pour brouiller les chasses, pour brouiller les missiles, pardon. J'espère que j'aurai plié tout ça en 10 minutes. Ça commence, voilà. Mon piqué système a looké cet ennemi et lui tire dessus. C'est automatique, c'est pas moi qui vous en... C'est ma seule protection contre les chasseurs. Parce que mes tirs sont trop... les chasseurs sont trop petits et trop rapides pour... trop maniables pour être alignés avec les lasers normaux. Du coup, je suis obligé d'utiliser des défenses automatiques. Faible pour espérer, j'ai le meilleur bouclier du jeu. Enfin, si on compte pas l'anagramme de Tassion qui est un art d'attaque, j'ai le meilleur bouclier en vente pour l'instant. Ça c'est fait, et en plus, je crois que c'est même pas moi. Pixan est toujours en un seul morceau, ça c'est cool. C'est là-bas qui se passe. Faut que j'aille ce Battlecruiser. Celui-là, je peux me le faire directement corps à corps. Avec mes lasers 4 principaux. Je saute. Fly to enemy. Hyperdrive activated. Preparing for jump. On sort d'hyperespace. Je coupe les moteurs. Parce que je veux pas dépasser le vaisseau qui arrive là. Le Battlecruiser que je vais me faire. Il reste plus de chasseurs, donc je vais faire ce côté plus tard. Voilà, il arrive. Il est tout prêt. Je commence à tirer. Ouais, acquired, mais malheureusement c'est trop tard. Pour lui. Sans faire exprès, je crois que j'ai atteint le bouclier d'un allié, mais je suis pas sûr. Voilà. Oh, j'en ai gagné l'expérience. Châtel. Ouais, je vais me faire cette châtel maintenant. C'est le moment. Ouais, alors une navette qui m'attaque, c'est pas normal. Bug de l'IA. Parce qu'une navette, c'est pas normal. L'IA est pas mal brûlée, je l'avoue. N'empêche, les combats contre les chasseurs sont pas super intéressants. Par contre, les combats contre les croiseurs sont toujours marrants. Ah, je commence à tirer le piquet. Vous voyez, ça fait déjà un peu plus mal. Il n'a pas beaucoup de boucliers, ni de coque, ni de résistance en général. Allez, continue. Peut-être un peu loin. Je me rapproche. C'est bon.